Je vais articuler mon intervention autour de deux mots. Remerciement et engagement. Remerciement d'abord à l'endroit des femmes pour leur grande mobilisation et leur détermination à gérer les calebasses pour le grand bonheur des populations. Remerciement ensuite à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué financièrement ou matériellement à la réussite de cette journée. Remerciement après à la population de toutes les contrées du Gagnol qui a répondu massivement à cette rencontre. Remerciement enfin à toute l'équipe qui m'a accompagné pour l'organisation de cette journée. Cette équipe, constituée d'hommes et de femmes de valeur, a œuvré inlassablement, jour et nuit, le plus souvent à mon absence pour la réussite de cette manifestation. Après ces mots de remerciement, je voudrais vous réaffirmer solennellement mon engagement à accompagner la population de Gagnol pour un Sénégal émergent si cher à son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Je m'engage à travailler dans la paix sous la direction éclairée de notre frère et ami Mamadou Mansour Faye. Je m'engage aussi à user de tous les moyens dont je dispose et de toutes mes relations pour la satisfaction des besoins du Gagnol, dont la quintessence est consignée dans un mémorandum. À la suite des femmes, d'autres actions d'envergure seront menées à l'endroit des jeunes, des personnes du troisième âge et de toutes les autres couches de la société. Je sais que je ne serai jamais seul. Je saurai compter sur mes parents de tout Gagnol, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, mes amis et alliés. Unis, nous vaincrons toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Vive le Gagnol, tous ensemble avec Mamadou Mansour Faye pour la matérialisation des projets du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour un Gagnol émergent. Je vous remercie de votre attention.